Allô ma chérie, c'est toi? Oui, c'est bien moi, comment vas-tu? Très bien ma chérie. Que va-t-on faire aujourd'hui? Ma chérie, on va voir pour construire des miroirs. Super mamie, ça te convient si je viens vers 14h? Parfait ma chérie, je ferai ma sieste avant. À tout à l'heure mamie, bisous. Ah mais vous étiez là, petit cachotier. Donc je pars chez mamie, ensuite je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc à tout à l'heure les amis! Ici le studio, que puis-je faire pour vous? Bonjour, c'est Hello, j'aimerais accéder au plateau 23, s'il vous plaît. Très bien, Hello, je vous ouvre. Parfait, merci Paul. Alors les amis, pour cette émission, tout simplement, on va aborder les miroirs. Donc j'ai deux designs différents à vous proposer, donc c'est parti. Alors le premier design, tout simplement celui-ci. Donc vous allez avoir besoin d'un mur de 6 de long, vous voyez. Hop, là je suis à 5, donc 6. Et on va monter à 4 blocs de haut, histoire d'être tranquille. Donc là, vous allez mettre tout simplement des escaliers de quartz ici. Ici. Vous allez mettre sur 2 de hauteur du quartz sculpté. Et vous allez mettre tout simplement des escaliers comme ceci. Tac. Et à l'envers ici. Et des petites dalles en haut. Et vous allez tout simplement casser votre mur ici pour mettre de la glace compacte, histoire de faire votre emplacement de miroir, les amis. Et ici, pour vous faire une petite table, quoi, un petit banc plutôt. Hop, vous allez utiliser des petites trappes de sapin, quoi. Hop. Et vous allez placer des petites carpettes au-dessus pour faire comme un effet de banc. Hop, avec un petit coussin. Donc voilà pour ce premier design, les amis. Alors le deuxième design est tout simplement celui-ci, donc vous voyez, je l'ai mis dans un décor, donc un mur qui fait 5 de long sur 4 de hauteur, hop, comme ceci, tac, et on va mettre un petit lavabo ici, paf, deux escaliers, un petit bloc de quartz, et ici tout simplement votre levier pour faire l'illusion de votre robinet, et une petite carpette grise histoire de faire, voilà, un peu votre serviette, quoi. Et pour faire le design de ce miroir, il vous faut une bannière gris clair, il vous faut du colorant blanc, hop, et il faut que vous preniez ce dessin-là, d'accord, tout simplement, pour faire un trait au niveau de la bannière. Hop, après avoir obtenu ça, vous la mettez ici. Vous allez utiliser du bleu clair, d'accord? Et vous allez devoir faire en sorte de choisir le motif qui est... Attendez, attendez, je cherche celui-là. Non, celui du bas. Donc celui-ci plutôt. Hop, donc parce que j'arrive, je confonds toujours. Donc hop, vous prenez celui-ci. Ensuite, avec ça, vous allez remettre du colorant blanc, d'accord? Donc le colorant blanc, et cette fois, il faut que ça vous fasse le motif, mais dans le sens inverse. Donc celui-ci. Voilà, tout simplement. Hop, donc ensuite avec ça, il va falloir qu'on commence à faire notre bordure. Donc on va utiliser du colorant gris, hop, et il faut qu'on fasse une bordure. Donc il faut qu'on prenne ceci, les amis. Tout simplement. On remet notre petite bannière et cette fois, on va utiliser un colorant marron pour continuer à faire votre contour. Donc on reprend le même motif qui est celui-là et voilà, on a tout simplement notre bannière, les amis. Hop, voilà, et on a un miroir fait avec une bannière. Donc voilà pour le deuxième design, les amis. Les amis, voilà, je vous ai montré deux designs différents de miroirs. Après, à vous de choisir, mais n'hésitez pas à donner vos retours dans les commentaires. Moi, en tout cas, j'ai pris du plaisir à faire l'émission encore une fois. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour la suivante. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye bye à tous! Émission télé présentée par Hello. Vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Hello MC. N'hésitez pas!